Hey, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 UHC. Coucou, moi je suis toujours dans l'épisode et j'ai toujours Mister Redix. Par contre, on a coupé quand même vachement vite, hein. J'ai pas vu le temps passer hein, sur le second épisode. Ouais, moi non plus, c'est... Wow. Ouais, je pense que j'aurai un petit truc après quand même, un petit salut un peu mieux. Mais ouais, moi aussi, c'est l'épisode 2, c'était un petit peu tendu parce que je suis dans le Nether et... Ouais, moi aussi, je suis concentré à miner là, j'ai pas vu le temps. Aller voir un petit coup là-haut. Pas de personne. Ça redescend. Bon, moi j'ai plus de pioche, je vais m'en faire une. Ok, c'est un cul-de-sac. Ok, je me barre. Allez, je rentre. Est-ce qu'on a du sable? Non. Faudrait aller en chercher un petit coup. Il y a de l'ostone, il y a de la redstone, c'est fun, c'est cool, on peut se battre. Ça c'est pour partir, ah oui j'étais venu par derrière. J'aime par derrière. J'irai rien. Tant mieux. Hop. T'as mis du fer à cuire. Hein. 4 fers, encore une armure de cheval en diamants. Ah, je préférais du diamant, vrai diamant en fait. Bon, on va pas se plaindre, on a déjà ce qu'il faut. Hop, moi je fais la déco. Ouais. Peut-être que je joue encore avec le feu moi. Mais... Tiens, j'ai prévu une entrée pour t'accueillir. Bon, c'est pas symétrique, mais bon, j'ai pas assez de la vis encore. Trouver beaucoup de wither squelettes. Ça commence à enchanter. Voilà. Par là, ouais. Bon, je suis en train de rentrer, hein. J'ai pas envie de me fighter contre les autres guys. Pour éviter tout problème éventuel. Voilà. Hop, j'arrive. Vas-y. Je suis encore un peu loin, mais sinon j'arrive. Toujours la recherche du diamant, moi. Ouais. Éviter de tomber dans la lave. Quitte pas toi, j'espère. Non. Oui, non, éviter de tomber dedans. Ouais, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des chemins un peu sécures quand même, on sait jamais. J'ai pas vu de ghast. Fiché parce que. Ah bah j'ai pas d'arc, donc ça va être un peu dur. Quoique les ghasts ils peuvent raser le sol, je vais pas tenter le feu. Le diable. Ouais, mais un ghast, franchement. J'aurais un arc et des flèches, je l'aurais tenté. Franchement, t'es touché avec une explosion ou les flammes derrière toi, franchement, t'es descendu direct. Hein. Je descends de plus en plus. Oh, mais là tu vas prendre la pomme dès que tu rentres. Je vais ferrer la pomme et... Non, pas la pomme. Ah oui. Les potions. Ouais. Ah j'avoue. Mais faut pas des melon seeds normalement. Oh merde, c'est vrai. Donc faudrait partir en exploration dans un jungle, je crois dans les jungles, mais t'as vraiment des pastèques. Oui. Bah au pire je te propose, dès que tu reviens, on se prépare et on part un peu à l'exploration. T'en penses quoi? Je pense que c'est fun. Parce que là aussi j'ai déjà bien commencé à farmer, mais bon, je trouve plus beaucoup de diamants. Enfin, je trouve même pas beaucoup du tout même. Merde. Et Je suis loin en fait. Ouh, j'ai de l'or devant mes yeux. Ça t'éblouit. Ah oui. Comme quand je te vois le soir. Oh. Bon, je me sneak, faut pas que je tombe dans la lave. Diamant? Non, pas diamant, dommage. J'ai entendu des...
quelqu'un qui cassait du bois. Du bois? Non, il y a quelqu'un dans le Nether, il y en a un qui a pris mon portail. Ok, fais gaffe parce que il va revenir chez nous, ça veut dire. Il y a des chances. Ok, donc je vais mettre dans mon portail. Non. Oh putain. Ce n'est qu'un au revoir. La map blaze, il a tout, putain. Ouais, y'a un pic qui est apparu, j'ai fait le taper mon gars, je me suis changé le frog. Putain, il peut faire des potions, il a tout. Oh la vache, je suis dégoûté. Ouais, mais en fait, maintenant. Il est plus que bien, parce que même maintenant, moi en plus, bah, il est devant mon portail en fait. Hein. S'il revient, il reviendra chez moi. Hein. Donc c'est pour ça que je vais faire un trou pour le faire tomber. Bon bah du coup bah, je vais vous laisser, hein. Je peux rejoindre les autres en mur. On se reprend juste après. Ciao, bonne continuation à toi. Train. Reviens voir un petit peu moi. Ouais. Salut, ça va? Ouais bah ça va, et toi? Ouais. En fait, je me suis dit, tu vois, j'ai pas commenté tout seul parce que j'ai ressa me chier, parce que je suis pas habitué à commenter tout seul. Je me suis dit, allez hop, au pire, j'ai perdu mon ami, je vais y aller en bourrin et me le venger. Donc, je suis arrivé, il était tous devant le portail, je me suis éclaté sur un pour le tuer. Heureux. Voilà. Heureux. Ouais. J'ai vengé. Putain, douf. Ça va. Épée. Merci pour le stuff, mais je l'ai perdu 2 secondes après. Bah ouais, j'ai vengé, t'as pas tué épée. Hein. C'est cool, ça, c'est fun. T'es mort juste après, c'est pas plus mal. Et j'ai quand même fumé l'autre aussi, hein. Je sais pas si c'était. Oh, chez les créateurs qui m'ont pas un squelette, cool. Mais ouais, franchement, je me suis dit, merde, j'ai noté les coordonnées, c'était bien là, c'est rebouché, j'entends des bruits. Ah, il y en a un qui est passé dans le coin. Ouais, toi. Par contre, c'était qui ton coéquipier, Edrock? C'est. Méga. Méga, ouais. Ouais, c'est bon. Ok, attends, j'ai regardé s'il est bien abîmé quand j'ai tapé quand même. Ouais, il a perdu, je crois. Il est mort. Ok, ouais, ouais. Non, parce qu'il y a une autre team qui est arrivée juste après en fait. Alors... En fait, c'est un rebourrin en fait. Mais moi, je suis arrivé dans le. Bon, regardez dans le coffre et je me suis fait défoncer par un wizard squelette. Oh, ok. Ah oui, donc Tabana qui prend tarif. Ouh, Tabana. Ouais, moi aussi, Azel, il est mort là. Ok, en fait, Epi, t'as vraiment foutu la merde dans, dans cette partie. Ouais, je ton pense. Ton portail en fait, c'est l'accueil. Et ton qui vient, ton qui se fait. Ouais, first. Ou pour moi. Et en plus, par ton coéquipier, comment tu t'es fait tuer en fait? Par ton quoi? Par ton quoi? Ça a été un enchaînement de malade quoi. Donc j'arrive, il y a une araignée qui me saute dessus, je lui donne deux coups, elle arrive à me toucher. Juste après, il y a un squelette qui me tire une flèche. Juste après, il y a une sorcière qui arrive qui m'empoisonne, il me reste un demi-corps. Et après, Roro te fout un coup de pied. Donc bon, je commence à me stuffer en fer et tout. Il y a Roro, je vas-y, crosse devant, je torche. Et en fait, j'ai eu un bug, moi j'étais toujours derrière. Tu t'es avancé. Non, ah, t'as eu une gueule. Je me voyais toujours derrière quoi. J'ai pris un coup de pioche quoi. Et bah apparemment, ouais, il m'a donné un coup de pioche. Ah bah ça serait bien. Moi je vais vérifier. Wow, il va peut-être pouvoir retourner dans le désert. Vas-y Sian, tu peux le faire, tu peux le faire. Va, crève pas noyé. Allez Sian, allez. Ouais, fais pas comme est-ce moi. Lui, allez Sian. Il garde. Et puis conseil, tu. Gauthier, c'est bon. Mais lol. Mais non. Toi t'es mort. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? La chute est... Ah, c'est presque aussi bien. Oh, les gars de chute. Ouais. Eh Yo-Yo, bon. T'as quand même la meilleure mort du jeu. Ouais, t'as vu. Je fais pas ce truc, me one shot. Je t'ai dit, attention, meurs pas noyé. Yo, t'as changé des dégâts. J'aurais préféré me suicider sur un cactus que mourir comme ça. GG, c'est... Ouais, non, mais c'est... GG. Non, mais c'est dommage. Bravo, tu as survécu plus d'un épisode. Ouais. On avait trouvé un mineshaft, c'était cool. Moi, j'ai passé mes 300 abonnés pour Noël. Oh. Allez, la double. GG, la team. GG. Voilà, alors Roro qui a traversé une étape très difficile de la mort du Creeper. C'est pas sérieux qu'il est en train de faire un portail du Nether. Il y a plus rien dans le Nether. Hein. Il va spawner dans le mien, je le sens gros comme une patate. Et mais surtout quand il va spawner, en fait, il va comprendre que là-haut c'est la guerre. La patate. Et pourquoi ça? Il sait bien qu'on est tous morts là-haut, ça n'a rien à faire. Il faudrait que je lui apprenne à faire un portail. Ouais, il y a besoin d'en mettre 4 en part.
Ouais, en plus, il n'y a pas d'en mettre 4, surtout si c'est le pire. Non, il va en mettre 3. Creeder, décale-toi. C'est un troll ce mec en fait. Enlève l'armure, James Creeder. Ah oui, c'est pas du tout moulé hein, le portail. Ah non, là on peut dire que c'est une moulée brute. C'est fou, là, je te coule dedans. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Creeper derrière, oh, là il a flippé là. Coup de stress, tu vois. Il y a un deuxième coup, oula, là il stresse, il y a le zombie. Là, attention, il stresse. Le zombie. Attention. C'est caché. Oh, j'ai. Les gens qui comprennent pas, il y a un squelette. Ah, oh là, il est mort là. Non, GG. Non, mais arrête, on va les faire péter un plomb. Moi, je dis, mais pas GG pour autre chose, hein, à mon avis. On parle des portails. Ouais. Non mais dès qu'il fera son portail, on peut lui dire GG, dès qu'il aura fini. Ah mais peut-être qu'il veut faire okay. Un portail, tu sais, les nouveaux okay. De la version là. Ouais, les gros. Les gros. Mouler quelque chose. Ah, le creeper. Ah, creeper. Et c'est planté. Oh. Oh. Creeper. Oh, Dieu. GG. Ouais, il est choqué. Attendez, préparez-vous, GG. Oh non, ça va. GG. Bah non, t'arrêtes de faire GG. Je sais. On est des trolls, bordel. C'est clair. Non. On le prend vraiment pour un Google, quoi. C'est cool, là. Le pire, c'est que je pense qu'il a pas compris qu'on parle de lui. Ouais, si, je pense que si, parce qu'il avait vu ça qui tue quelqu'un et il remarque qu'il y avait quelque chose. Le pire qu'il comprend pas, c'est s'il freeze. Non, what? Il a remarqué parce qu'il était dans le creeper. Il l'a mis à côté. Hey, il a qu'à couler tout le lac, il prend l'obsidienne et puis il fait son truc. Ouais, il c'est va ça. 150 ans. Non, mais c'est pas dans les dimensions parce que pour l'instant il y a un cube d'écart en fait. Là, je crois qu'il s'est. Mais non, on peut le faire maintenant. Ah, ouais, mais bon, ça va lui prendre juste 3. Ah, ça y est, il s'est décidé. Ah, bah c'est pas trop tôt. Parce qu'il a vu que j'arriverai à rien en fait. Ça, c'est... Et si on avait commenté du côté de Death Draco? Non. Rien à dire. Death Draco? Bah, il se balade quoi. Intéressant. Ça va, tu prends un bar et tu. Bah, comme toi. Ouais. Fait chaud, alors assez. Ah, mais je crois qu'il a la boussole. Y'a pas de boussole. Y'a pas de boussole. Attends, mais j'arrête quand même à Thierry pour voir comment il se débrouille lui. S'il est en mouvement ou pas. Ouais, il est en mouvement, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, il est près de. Il est hyper près de Draco. Il y a la tombe de Gauthier par terre, ça me fait rigoler. Ceci ma tombe, Gauthier. Attention. En fait, si Altario continue tout droit, ah, ils l'ont pas vu. Ah, si, non, ouais, non, d'accord. Ils les ont pas vu. Si, ils les ont vus. C'est bon, c'est parti. Ah, mais fuite, c'est parti. La fuite. Ah, mais là, ils les éclatent là. Si Fresh qui fonce. Oh là là. Ils sont deux, ils ont une chance encore. Oh, il s'est fait. Bon, allez, on va prendre le petit peu de. Ouais. Il a toujours pas fini son portail en fait. Et le matin, il y a Scott qui va le tuer en fait. Chaud. Attention. C'est pour ça qu'on faisait GG en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on faisait GG. Enfin, là, il y a pas de problème. D'accord. Non, mais il lui reste un cœur, donc là, s'il va dans le désert, il va. Non, mais il est mort. De toute façon, il sait pas faire. Moi. Il sait pas bouger le portail. Ah, mais tout à l'heure, il s'est décalé. C'était juste magnifique, mon portail. Atario est un traître. Il vient d'être justement. Non, mais ça fait deux fois qu'on se fait buter par des potions de force, quoi. Nous, ça commence à nous énerver, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En fait, bah, au début, on s'est dit. Bon, allez, on va dans le nether. Et puis après, on s'est dit non, laisse-toi. Ouais, ouais. C'est moi qui laisse le portail. On s'est écrasé dessus, c'est. Allez, oh, dès qu'il l'allume, on dit GG. Et puis, c'était quoi? C'était épisode okay, okay, on voit 5 okay. Morts dessus. On va parler GG. Et là, on voit un achat de Il a pas de vilain. Attends, genre, il y a de l'or ici? Mais genre, il y a de l'or et il la prend même pas. Bah ouais. Ah oui, il y a un squelette qui arrive. Il y a un squelette. Non, mais de toute façon, il sait qu'il est mort. Non, oui, je. T'es con, l'autre en face, c'est une machine, il a tué une tétiment entière, tu sais. GG.
GG. Il l'a allumé ? Ah, il l'a allumé. Oui. Ouais, c'est coordonné. 200. Ah, oui, mon 200. Atterio, il fait quoi ? Ouais, il attend impatiemment à 0-0. Et là, la map se réduit. Ce serait tellement drôle. Ah, bah, c'est mon portail. Ouais, c'est ton portail. Hein. What ? Mais qu'est-ce qu'il fout, Roro, là ? Mais vous avez spawné sur le toit du Nether ? Non, en dessous, justement. On est à la couche 5. Mais qu'est-ce qu'il fout, Roro ? Minecraft, ça sonne top. Memory. Il a coupé son portail, en fait, il chante rock. Ah, mais c'est en fait. Ah, si Freeze, retépez-moi au serveur, s'il te plaît. Oh non. Là, il hésite. Et si on tapait un pignet ? Il hésite, oui ! Quoi ? Ouais ! Et donc, Atali pour vainqueur. Ouais ! Mais pourquoi ? Comment il a fait ? Il a fait quoi ? En fait, il y avait deux blocs dans Nether. Putain, j'ai tout raté ! Ah ouais ? C'est quelque chose, on était GG, t'as vu ? Non, mais je sais, ça j'ai remarqué. Ah, je me demandais pourquoi. Mais nous, c'est pareil, on comprenait pas. Donc. Oui, j'avoue. Putain, y'en a un qui est super stuff là. Mais tu posais un cube, on mettait GG, c'est pas parce que tu faisais. Par contre, comment t'as moulé ton portail Nether, mon gars, c'était un carnage, ça. Et... Non, mais je sais pas. Tu t'es même trompé, t'as posé un cube à côté en plus. Oui. Après, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, j'ai une pioche en diams maintenant. Bon, autant le faire avec la pioche en diams. Oh mon gars, t'as pas eu du rêve quand t'as fait ton portail et puis il pétait un plomb, tu sais. T'as fait ça comment ton truc dans le Nether de merde là ? Oh bah, ça a killé tout le monde. Donc, Atario, pour ma mais ça marche comment ce truc là ? C'est interdit ça, non ? Et du coup, épisode 3 en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a vu tout le monde mourir en un an. Carnage Nether. T'es passé comment en fait ? Celui qui a laissé les verrues du Nether. GG Atario en tout cas. Ce qui s'est passé en fait à l'épisode 3, c'est que Épée a créé son portail en premier, il est allé au Nether. Après, il y a moi et Do qui sommes allés. On a tué Épée, on est revenu et on s'apprêtait à repartir quand il y a un mec, il rentre par le portail, on le tue. Après il y a deux autres mecs qui arrivent, ils nous tuent et ça s'est enchaîné comme ça. Moi ouais, j'explique, le premier mec c'est moi parce qu'Épée était mort, j'avais pas envie de rester tout seul dans ma chaîne alors je me suis allé où je vais les rejoindre. Je me suis sacrifié pour tuer les autres, mais bon j'en ai tué un et je suis mort après. Et après c'est ainsi de suite, tout le monde s'est accrevé dans le portail. Mais... Non, mais du coup c'est Terrio le grand gagnant alors que ça on pensait pas vu qu'il s'est retrouvé très vite tout seul. Donc ouais, non, mais moi j'ai regardé dans un coffre et puis je me suis pris un Wither Skelet dans la tronche. Là. C'est quoi la lave, le bloc de lave ? Le numéro. Voilà, hein, le bloc de lave ? Bon, bah sur ce, messieurs, moi je vais vous dire bonne soirée à tous, hein, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.